أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى نزي dans سورة المؤمنون les ayats 1 à 11 l'essence des ayats voulant dire bienheureux sont certes les croyants ou qad aflaha al falah c'est comme le succès donc bienheureux ou ayant du succès sont certes les croyants et Allah subhanahu wa ta'ala il décrit les qualités des croyants desquels il parle ceux qui sont humbles dans leur salat dans leur prière qui se détournent des futilités donc quand quelque chose n'a aucun bienfait ils s'en détournent qui s'acquittent de la zakat donc qui paient l'aumône, qui paient la charité, et qui préservent leurs rapports sexuels, sauf avec leurs épouses ou ce que la main droite possède, car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer, alors que ceux qui cherchent la satisfaction de leurs désirs au-delà de ces limites sont des transgresseurs. Donc, on protège nos parties intimes, on protège notre intimité, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qu'on leur à confier et qui honorent leurs engagements, donc les amanas, les choses dont on est responsable et les choses qu'on est confiées et les engagements qu'on maintient, on les observe, on les sauvegarde bien et qui observent strictement les salats, donc encore, on parle encore des prières, donc les cinq prières obligatoires selon le temps prescrit. Ce sont eux les héritiers qui hériteront du Firdaus, le paradis, le plus haut niveau du paradis pour y demeurer éternellement. Subhanallah, je pense vraiment pas que ces ayats nécessitent vraiment un tafsir ou un tadabbur bien explicite. Je pense que les ayats, toutes seules, juste à y réfléchir, c'est immense. Alors, soyons parmi les croyants. Demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rend parmi al-mu'minoun, qui auront le succès, qui sont focused, qui sont khashi'un, ils sont humbles, ils sont concentrés dans leur prière. Ils délaissent les futilités, ils donnent la charité, ils préservent leur intimité, leur partie, leur désir, sauf avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a fait halal, qui veille à sauvegarder tout ce qui est confié à eux ou leurs engagements, qui observe strictement encore une fois les prières, on parle encore des prières ici, donc deux fois la prière est mentionnée dans ces caractéristiques-là, et que Allah subhanahu wa ta'ala nous rend parmi les héritiers, ceux qui hériteront الفردوس الأعلى لبيو نيفو دي بارادي اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته